Bonsoir, bonsoir, la Terre du Milieu, on se retrouve toujours en compagnie d'Irnil et de notre ami derrière qui m'a l'air bien pensif, Neslo. Et on y est pourquoi? Eh bien, on y est pour la suite de la quête des sept épées. Eh oui, il n'y a pas de raison. Hop, tiens, par contre. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelais plus, il n'y a pas de. Je n'ai pas de quête ici. Je dois trouver les différents propriétaires des épées. Donc, pendant que je parle, vous ne voyez pas, mais je suis en train de remettre le wiki Lotro avec la carte des 7 épées. Non, d'ailleurs, c'est pas sur le wiki que j'ai trouvé. Ça me fait penser que je crois que j'ai oublié de vous mettre le lien. Oui, je crois bien que j'ai oublié de vous mettre le lien vers cette carte dans la vidéo précédente. C'est pas bien, c'est pas bien du tout. Je suis désolé. Oups. Alors, normalement, on avait fait du Gald, Tobed, Brekin et Rurek. Il nous reste Frangan, Owen et Huisdan. Ok, et par rapport à moi, ils sont pas très loin en fait. On est parti relativement loin la dernière fois. Ah, tiens, hop. Alors, par contre, on va se la jouer furtif encore parce que c'est un rouge, hein, les fails. On va éviter. Je suis pas très fan. Bon, je suis sûr que vous, ça vous éclate. Oh, quel bonnet! Il est mort, tué par un comment ça s'appelle? Je tente le diable. Un maître de meute Scara. Ouh. Au revoir le maître de meute. Bonjour le tranchebec faucheur. Au revoir aussi en fait. Alors, si Nesro est par là, normalement, Frangan, il doit pas être loin. Il me semble bien qu'il y en a un qui est par là. Alors, est-ce qu'on voit mieux si on grimpe? Ta-da-da-dam! Est-ce... Oh, tiens, Atlif. Mais que fait Atlif? Atlif a ressorti son personnage qui s'appelle Atlif. Ouh, attention! Quelle soirée, mes aïeux. Je sais pas où il est du tout, il est. Il est que level 13. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Il a fait un perso level 13. Où je tente le diable. Hop, level 13 seulement. Où est-ce qu'il est, le petit coco là? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Pas Atlif, hein. Je cherche Owen. Non. Frangan d'abord, Frangan, ouais, il devrait plutôt être par là. C'est marrant parce que quand je suis passé en douce la dernière fois, je l'ai pas vu. Je suis passé trop en douce, sans doute. Du coup, il m'a échappé. Alors, est-ce qu'on voit quelqu'un par là? Je vois toujours mes copains, les wargs, mais je ne vois pas. Punaise! C'est quand même dingue ça. Alors, prenons de la hauteur. On va bien le trouver. Il y a Huisdan aussi qui est dans le coin. Oup là, oup là. Là, hop, 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 là, hop, là, hop, là, Irnil, que fais-tu, que fais-tu? Tu prends de la hauteur, tu te casses pas la gueule. Alors, là, je vois personne. Là, non plus. Punaise, je vais galérer. Je sens que je vais galérer à le trouver. Bon, on va faire un truc, hein. Je vais faire une petite coupe au montage, le temps d'en trouver un des deux. Et dès que j'ai trouvé, bah, je vous fais signe. Normalement, il y en a un qui est en 0,8 sud, 24,7 ouest. Alors, si je vais par là, hop là, si je vais par là, déjà, c'est le 0,4 qui monte. Ok. 0,6, oh, il devrait pas être loin là. Tiens. Non. C'est quoi lui? Non, c'est un gob. Alors là, je suis en 06 23 6 et je dois chercher 08 08 07 un peu plus au sud, par là. OK. Maintenant un peu plus à l'ouest, par là. OK, il doit être caché juste derrière là.
Hop, avec le petit gobelin là. Ah bah le gobelin m'a vu. Ok. Hop. Je sais pas ce que fait Atlif. Level 13, je sais même pas dans quelle zone il peut être. Ouais, punaise. Faut peut-être que j'arrête de bavasser, moi il fait mal lui. J'oublie. Ah, quand même. On se soigne. Non mais. Alors. 08, 23, 9. On a dit 24-7. On continue sur cette ligne-là et on va pile à l'ouest, je pense. 08, 24. Est-ce qu'il serait en bas? Là, il y a un camp. Non, je le verrai pas en bas, moi. 24, je suis toujours en 08. 24, 3, 24, 4. Ouais, non, c'est plus par là encore. Là, je vais tomber sur un warg. Oups, c'est un orange. On va essayer de s'en sortir. Hop. On s'en est sorti. Serait-ce que Yarnil devient à l'aise? Le voilà! Je l'ai trouvé! Frangan, c'est bien lui. Ok. Ouais, en fait, ils étaient vachement plus loin que je ne pensais. Hop, on va lui faire un petit cherche-cœur direct, lui. Alors, j'ai dit qu'il me manque lui. Ah oui, puis Dugald, il est loin, lui, par contre. Quoi? Déjà? Wow! Ah bah alors ça a été rapide. Hop, l'épée de Kevoka. Voilà, celle-là c'est fait. Objet de quête, accepté. Nickel. Alors, l'autre, normalement, Huizdan, il est plus juste par là. Juste par là. Très français ce que je viens de dire. Juste par là. Hop. Alors là, je suis en 0,5. Il faut que j'aille en 1,8. Oula, c'est par là alors. Hop là, et ben on descend. Ah bah il est là. Bah voilà, le hasard fait bien les choses. Je l'ai trouvé direct. Hop, pouf. Et une épée de plus. L'épée de Manas. On prend les pots aussi, on n'oublie pas les pots. Toc toc toc. Voilà. Et il me manque Dugald. Alors lui, par contre, il faut ressortir de ce coin-là. Il doit être à l'entrée normalement. Non, c'est pas Dugald qui me manque. C'est Owen. Non, je l'ai déjà fait celui-là. Non, ah, je ne sais plus. Alors là, pour le coup, je ne sais plus. Comment on peut savoir ce qu'on a déjà fait dans les 7 épées? C'est une bonne question. Je crois que c'est Owen qui me manque. Dugald, normalement, je l'ai déjà fait. C'est l'épée d'Inis, c'est l'une des premières. bah, j'espère que je ne me trompe pas. Donc Owen, il serait en 1-8, 24-7. Et là, je suis en 0-6, 24-8. 24-7, je suis bon. Donc il faut que j'aille au nord. 1-8 au nord. C'est pas lui. Non, c'est pas lui. Où est-ce qu'il va être par là? 24-7, c'est plus à l'ouest. Oups là! Warg. 1-8, il serait bien dans ce trou là. Yes! Le voilà! Ouais, je crois pas que je l'ai fait lui. Hein. Alors là, c'est vous qui suivez les vidéos, vous pourriez me dire, mais. Il faudrait que je regarde ma propre vidéo en fait pour me rappeler. Ouh, y'a un warg, y'a un warg, ça c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée du tout. Aïe. Non, apparemment je l'avais pas faite, puisque visiblement... Ouais non, ça c'est l'autre. Ouais, je fais tout ça en... Ouais non, l'épée d'âme je l'avais pas, voilà. Ok. Hop. J'ai un doute sur le fait d'avoir fait l'épée d'Inis avec Dugald. J'en ai fait combien la semaine dernière? 1, 2, 3... J'en ai fait 4, hein. Hein, on est d'accord? Il me semble qu'il m'en manquait que 3. Donc, on va retourner voir Neslo. On va voir ce qu'il nous dit. Et puis, bah, s'il nous en manque encore une, bah, c'est qu'il nous en manque encore une. Donc, on partira à la recherche de là encore une. Tout simplement. Hop. C'est par où? Non, c'est par... Ouh là là, il y a un peu trop de warg dans le coin, là. Par où je suis passé tout à l'heure?
Je pense que je me fourvoie de route. Bah non, pourtant la flèche indique bien tout droit. Et je suis un peu perdu dans cette zone. Mon sens de l'orientation est défaillant. Pour tout vous dire. Yep, on évite les points rouges. On va tout droit par là. Où est-ce qu'il y a... Ah si, elle est là, la tour, voilà. Ouh. Merci le radar. Franchement, j'étais perdu. Mais franc. Non mais, regardez, ça se ressemble de partout, quoi. Il y a très peu de points de repère. Alors lui, ça doit être le rouge, on va éviter. Punaise, il y a même un gobelin là qui a pointé le bout de son nez. C'est quoi ce bazar là? On peut même plus retourner rendre nos quêtes tranquillou. Enfin, il m'a vu en plus. Ah, un gardien de wargs là. Est-ce qu'il va m'aider, le petit père là? Hey, Neslo, viens voir. On m'attaque. Help me. Non, rien à foutre. Moi, je vous dis, dans ce jeu, c'est quand même paradoxal. Vous êtes attaqué de toutes parts et personne vient vous aider. Mais où êtes-vous? Alors, que nous dis-tu, l'épée d'Ab, s'il te plaît? Comment puis-je vous Alors, vous aider? m'apportez l'épée d'Ab. Ab était un grand chef des montagnards d'Uruddor. Il fut l'un des derniers à être enrôlé au service du roi sorcier. Don de guérison, celui-là. Ok. Ensuite, l'épée de Kevoka. Que puis-je faire pour vous? Ah d'accord, lui, ça, il a combattu. D'accord, donc ouais. Bah oui, il s'est fait esclavagiser, on va dire. Bonjour Hop, à vous, et là que c'est puis-je aider plus Manas, tard? un archer hors pair. Ok, ils étaient vraiment très gentils, les gaziers. Bon, apparemment j'ai une quête avec Nesro, donc je peux supposer que j'ai retrouvé les 7 épées. Et en plus, ça rapporte 10 points. J'avais même pas vu ce petit détail, mais je vous rappelle qu'on est en free-to-play, donc c'est loin d'être négligeable. Et là, du coup, oh, explorateur d'Angmar, ça en fait partie en plus, ça. Tiens, 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 intéressant cette prouesse. Et titre décerné, je suis un sage de Ruidor. Oh, je vais me l'activer celle-là. Ouais. Eh, sans deck. On a trimé un peu pour ça. Vous auriez un peu de temps Alors, à oula, m'accorder. petite communauté. Et c'est pour rentrer dans la tour, d'accord. Ok. À votre avis, on tente ou on tente pas? That is the question. Ah, il nous reste 10 minutes d'épisode, moi je tenterai bien. Allez, les gens acceptent la quête. Il faut parler à Comment puis-je Neslo. vous aider? Allez, on va voir ce que ça vaut. Sinon, bah, on demandera de l'aide. Mais pas Atlif, il est que La level 13. semaine des héros du Nord, Nesro, Alors. le rôdeur érudit, a récupéré les 7 épées données au chef montagnard d'antan. C'est moi Et qui ai récupéré maintenant, les 7 épées. ses alliés et lui se préparent à pénétrer à l'intérieur de l'ancienne crypte de Krysle-Lanan. Alors, là, on va remettre une épée. Je sais pas laquelle. Ils ne disent pas. Eh bien, nous allons remettre cette épée pour ouvrir la porte de Krysle-Lanan. Hop. Atlif redécouvre l'autre. Bon, c'est un très bon jeu, c'est vrai. Après, voilà, il a ses défauts, faut être honnête aussi. Les tâches ménagères, c'est quand même un peu laborieux, hein? Bon, c'est un peu tous les MMO, mais bon. Hop, les portes se sont ouvertes. Entrons. Je sens que je vais morfler. C'est normalement un truc pour petite communauté et on y va à deux. Bien le bonjour. Échappez-vous, protégez Nesro. Eh ben. Et puis alors là, j'ai rien pour m'aider. Un ancien arsenal, d'accord. Il manque quelque chose. Oui, de la lumière. Je trouve ça un petit peu sombre. Ouh, d'accord. De la lignée d'Argeleb. Ok. Dites-moi qu'ils n'ont pas plein de vie. Ouais, ça devrait le faire. Normalement. Ah ouais, non, ça va peut-être pas le faire.
Là par contre, Nesro, j'espère que tu es bon. Oh putain, il morfle, excusez-moi pour les gros mots. Ah, il va mourir. Il va jamais résister, et moi dans la foulée, c'est pas gérable tout seul. C'est pas gérable tout seul. Il faut quelqu'un qui vient faire le tank. Bon. Ah, mince! Et en plus, on me laisse pas. Ah, je me disais, on va me laisser mourir avec lui. Bon, c'est frustrant, c'est vexant, c'est bon. Du coup, eh ben. Je ne sais pas quoi faire. Soit je fais. Soit j'en reste là. Et puis, du coup, je vous donne rendez-vous. J'essaie de trouver au moins un ou deux camarades. Parce que petite communauté, normalement, c'est trois. Pour faire cette quête là, mais je suppose qu'il faut que chacun ait trouvé les 7 épées. Voilà, et du coup, il faudrait qu'on se donne rendez-vous. Ce serait lundi soir ou mardi soir que je pourrais tourner cet épisode avec des camarades de jeu. Ben, je crois que c'est ce qu'on va faire. C'est ce que l'on va faire, pour parler correctement, ça fait 16 minutes d'épisode, j'ai trouvé les 7 épées, en fait j'aurais dû enchaîner, la dernière fois ça aurait été un peu plus long mais tant pis. Enfin bref, voilà, c'est fait. Donc j'ai trouvé les 7 épées, j'ai débloqué l'instance, maintenant ben, il faut des copains pour la faire. Alors ce que je vous propose tout simplement, s'il y en a qui sont intéressés, je vais essayer de voir avec Atlif, peut-être Nancy Garden, elle n'aura jamais le temps de leveler un perso jusqu'au level 43. Donc il faut des persos level 40-45 je pense pour au minimum, bon évidemment si vous êtes plus ce sera trop facile, donc un peu moins drôle. Si ça vous intéresse vous me le mettez en commentaire, on verra si on arrive à se coordonner via Discord ou un truc comme ça, et puis bah, si on n'y arrive pas ce n'est pas grave, je ferai la suite des aventures d'Irnil, tout simplement. Eh bien Irnil va vous dire, hey, maintenant que je sais le faire, je crois que c'était slash au revoir, hein. Non, c'est pas ça. Oups, je ne sais déjà plus. Emote, c'est quoi? Ah, il y a un underscore, d'accord. Donc Irnil va vous dire au revoir, et moi je vais vous dire aussi à bientôt. Portez-vous bien, ciao ciao!